à l'Euro 2012 en phase de poule où les Allemands s'étaient imposés 2-1. Il y a eu l'Euro 88, le coup d'envoi est donné, mais il y a eu surtout la finale de 92 remportée par les Danois. Toni Kroos est là, Schottenberg, c'est lui qu'on va aller chercher. Le but de la tête, ton légère, comme s'il ne voulait pas redescendre, comme s'il voulait apprécier le ballon de Toni Kroos dans les airs et de mettre cette tête décroisée le long du poteau à droite sur laquelle il ne peut rien faire. Schmeichel, l'arbitre intervient, l'arbitre va peut-être refuser le but, en tout cas pour l'instant. Il explique à Gundogan que le but va être refusé. Le but va être refusé pour un appui, semble-t-il, de la part de Schlotterberg. Au moment où il est allé chercher ce ballon dans les airs, c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'il était si bien en l'air et si longtemps. C'est quand même une équipe qui est un peu à l'image de la Suisse. Rudiger avec Havertz, la volée, il n'est pas en jeu, le ballon qui rebondit devant Schmeichel et qui fait l'arrêt impeccable. Le drapeau ne s'est pas levé, ni instantanément, ni après coup, sur ce bon ballon de Rudiger par-dessus la défense danoise et la volée de la part d'Havertz avec le rebond devant Schmeichel qui la détourne comme il peut. Superbe ballon, comme il peut, parce que c'est avec l'épaule. Il est passé au travers avec les mains et c'est avec l'épaule gauche que Schmeichel a mis ce ballon en corner. De la part des Danois, le long ballon de la part d'Andersen, le contrôle impeccable de la frappe d'Eriksen, la frappe derrière. Oh, elle est détournée par Rudiger. Quel superbe geste technique de la part d'Eriksen. Ah ben long voilà, ballon d'Andersen, contrôle, enchaînement de frappe. C'est juste magnifique. Et Rudiger qui s'interpose pour la mettre en corner. L'arbitre qui, parce qu'il y a du tonnerre, parce qu'il y a des éclairs, interrompt le match. De coup franc est joué latéralement par Kroos sur le côté avec David Dom qui va centrer. Rudiger à la tête d'Havertz, encore l'arrêt, le ballon détourné par Schmeichel sur cette tête de Kai Havertz quasiment à bout portant, alors que Rudiger était là, la tête maintenant de Schlotterberg, il va aller dans le petit filet. Et bien voilà la réponse des Allemands, le ballon mal contrôlé par les Allemands. Attention à la contre-attaque avec Eriksen qui la met immédiatement pour Delaney, il est pas en jeu. Delaney, le retour de Rudiger, Delaney pour Olyoum face à Manuel Neuer, le ballon est passé par-dessus le gardien, mais c'est dégagé par Andrich et Rudiger qui reste au sol pour le contact tout à l'heure avec Olyoum. On a failli voir l'ouverture du score des Danois dans les dernières secondes. Récupéré Stogolsen avec Olbjerg dans la surface de réparation. Une fois, deux fois, le tirage de maillot, la frappe derrière et le but. Andersen qui récupère le deuxième ballon et qui ne se pose pas de questions et qui frappe croisé au ras du sol. Il n'y a rien à faire là-dessus, même s'il y avait une faute sur Olyoum, il y a eu un petit tirage de maillot, il y a eu surtout un coup de billard avec l'arbitre qui regarde, qui met le doigt à l'oreillette et qui va... Alors, assistance vidéo, but refusé. Oh, le Hawkeye ah bah, Diaz, le Hawkeye Diaz. Non mais vraiment, je te dis, j'ai un Hawkeye pour jeu ça. De l'année. Voilà. Ouais. Qui a quand même été tiré par le maillot. Hein. Ouais, mais il a été tiré par le maillot après avoir été hors jeu. Exactement, il est hors jeu. Ouais. On revient là-dessus. Et qu'il y a pénalty. Il y a pénalty. Mais jamais de la vie. Il y a pénalty. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable avec les capteurs. La main est décelée sur le centre de Rome. Elle effleure la main droite d'Andersen. Elle ne perturbe pas le centre, à mon goût, sur le deuxième poteau. Mais ça sera un pénalty pour les Allemands. Havertz qui a déjà marqué contre l'Écosse sur pénalty. La victoire du 5-1, on est à la 53e minute. Schmeichel face à lui avec la course d'élan rapide. Un petit arrêt, la frappe et au fond. C'est croisé, il était parti du bon côté. Kai Havertz, le salut militaire. Et 1-0 pour l'Allemagne dans un match, je vous le disais, quelques minutes auparavant, complètement dingo. Attention, Havertz est passé, Havertz a récupéré le ballon, Havertz est débarrassé, c'est de Westergaard, Havertz face à Schmeichel. Ouh, le piqué, ça passe à côté. Le ballon est dégagé, Schlotterberg avec Moussiala, attention, il n'a pas pu y aller avec Schmeichel, ballon récupéré par Moussiala. La frappe croisée du génie du Bayern Munich qui marque son troisième but dans le tournoi. Schmeichel qui n'y va pas, Schmeichel qui hésite, Moussiala qui le voit, qui met l'accélération, qui récupère le ballon et qui attend le tout dernier moment de voir que Schmeichel est embarrassé par ses appuis pour la mettre intérieur pied droit dans le petit filet opposé. Moussiala 2-0 pour l'Allemagne. C'est terminé à Dortmund avec la qualification de l'Allemagne en quart de finale
du championnat d'Europe avec le but adverse au pénalty à la 53e minute. Moussiala à la 68e minute, son troisième but personnel.